À vous live, presse, streamer, c'est parti. Allez, on y va. Bonsoir, bienvenue sur mon stream, sur le The Event 2022. Mon premier, également le dernier, donc le meilleur, forcément. J'arrête de crier un petit peu, attendez. Mais je suis là, hein. Moi, je suis là. Je suis là, hein. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de plaquettes en vente, il y en avait 3000, ce qui veut dire que nous allons ajouter à la cagnotte 236 000 euros. Parce qu'elle est belle cette meuf, c'est qui? Attendez, c'est terrifiant ce qui se passe. Oh putain. On va faire aujourd'hui des débats très très sérieux sur des questions très très cons. Vaut-il mieux boire le thé avec le bigard de MV ou le tonton de Hava? Alors voici le magnifique tonton de Hava. Oh, qu'il est beau. Salut les girls. Salut les girls. Ça va quoi? Bah ouais, ma couille, bien sûr qu'on préfère bigard. Le côté tonton commence. Bah, même, hein, je trouve qu'il est mignon. Ouais. Quoi. Bah, en fait, c'est plutôt pour juste pas être avec l'autre. Ah, le tweet d'Antoine. Bonjour Orti Underscore. Pour ton premier The Event 2022, hélas l'année du flop, voici un petit portrait. Toujours un plaisir de passer des soirées avec toi le lundi. De temps en temps, dis-moi sincèrement ce que tu en penses. Que si tu trouves ça bien, sinon dis rien merci. Il a été créé sur mon stream comme un personnage réconfortant. En fait, voilà. Il attend mais tranquillement et il a un petit regard Bigard, sympathique. C'est de la merde. Mais non, mais Bigard, tu peux pas en placer une, c'est relou. Mais c'est pas réconfortant peut-être. Tu peux pas en placer une, affiche, moi là, je suis une femme, incroyable. Ça arrive tous les Bigard jours déjà. Donc, t'es vraiment réconfortant, voilà, hein, Bigard Broberci. On était tous réconfortants. Ouais, ouais. Moi, c'est sur le périple, dans la je voyais son truc. Eh bien, écoutez, si on analyse vraiment ce qui se passe, on a premièrement des cheveux rouges. Et il y a quand même des touches de noir, étant donné que j'ai les cheveux plutôt assez bruns, effectivement. Donc là-dessus, on est bon. On peut voir également un truc qui n'est pas des moindres, puisque souvent il est raté dans les fanarts. Les yeux sont gris. Car effectivement, j'ai les yeux gris, gris-vert, hein, plutôt qui tirent vers le... Les os ! 900 000 ! Bravo à vous ! Effectivement, j'ai les yeux plutôt gris. Donc un très bon point. On peut également voir que Monsieur Daniel n'a pas oublié le piercing. On peut également apprécier juste là un trou dans le sourcil qui se trouve être effectivement le sourcil gauche que voici. Mais je suis obligée effectivement de retirer les points puisqu'il s'agit quand même d'une de mes marques de fabrique évidentes. Il n'y a pas de liner. C'est assez grave. Ok, dommage. Du côté tonton, on est du coup sur le réconfort. Non, mais c'est surtout, on boit le thé, c'est ça? Ouais. Avec Bigard. Avec le... Ouais, je peux te dire le Bigard, que... déjà, pas le Bigard. Tu te sentirais de te retrouver maintenant à boire le thé avec lui? Mais tous les jours. Ah ouais. Every day. Il y a un petit argument aussi, c'est que tonton, il a une belle image, il soutient le The Event, c'est quelqu'un de bien. Ouais. Bigard, il fait juste des feats avec des youtubeurs pour sauver son image. Et il s'est fait tâche par sa productrice aussi. C'est très drôle. Ouais. Oui, d'accord. Bah oui, mais bon. Nous allons donc répondre à Antoine Daniel. Merci Antoine pour ce dessin qui fait preuve d'un don d'observation évident. Non, moi je suis assez étonné de l'absence de liner, mais bon, sûrement un bug. Oui, j'ai oublié le liner, ça va, j'ai dû faire ça vite fait. Mais en plus, j'ai du liner sur cette photo. Il a craqué, hein. J'adore parce qu'on dirait vraiment que ça m'énerve. Il est fou, hein. Eh, c'est un baiser, lui, hein. Le Bigard de MV, en plus, il est plus créatif et jeune que le Bigard le vrai. C'est un argument de plus. Hein, oui, mais là, la question, c'est pas est-ce que vous préférez Bigard ou le Bigard de MV? C'est pour boire le thé. Sois pas si agressif. J'arrive pas à savoir s'il a 12 ou 207 ans. On va s'arrêter là, et c'est le côté, le tonton de Hava qui remporte. Alors les Bigariens, là. Alors les Bigariens, ça veut quoi? Hier, on a vu un viewer qui a dit bravo pour Antoine et Daniel Kroot, je suis très très fan et tout. J'étais à côté de Bagheera et on lui a dit ok, qui est qui? Qui est Antoine, qui est Daniel? Le pauvre, il était pas bien. Non mais on rigolait, c'était pour rire bien sûr. Mais effectivement, il a pas su dire. Du coup, on l'a tué. Alors je vais lire un peu des dons. Faut qu'elle me mette des paillettes avant Fall Guys. Mais ça va être, c'est dans 5 minutes. Oui, ça, elle avait une tête d'illuminée. 1 million d'euros. Putain, ça flop, ça flop. Le flop, putain, ça me dégoûte. Félicitations pour ce 1 million d'euros. L'année dernière, cette somme avait été atteinte à 23h07. Salut, atelier paillettes, c'est parti. Go, super. Alors, je stresse un peu. Pourquoi?
ça va faire très mal. Je suis un peu stressée, la loose. J'ai l'air très à l'aise avec les cheveux derrière les oreilles. On dirait un peu Ségolène Royal. Mon père, il me disait tout le temps ça quand j'aime. On dirait que je suis une déléguée de classe, là. Je m'appelle Elodie. J'arrive pas à être offensante pour des gens. C'est parce que je stresse un peu. Offensante pour les délégués de classe et les Elodie. Beauté. Voilà. Oh là. On adore. Ça fait quoi déjà dans mon champ de vision? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tâchons d'oublier. Je pense que je vais filmer le dos avec cette caméra en zoom. One Punch Man qui vient de juste courir derrière moi. Bonjour, rue des airs. Mais tu es sérieuse? Pour combien tu l'actives et dedans tu dis non rien. Merci. Morse Roller, don en HD pour le... Ouah, 1080 balles. J'ai volé le mégaphone, mais on va te passer 1 700 000. Bah là, tu te débrouilles, ma grande. Hein. On fait l'annonce. Comment ça, on fait l'annonce? Ah, mais c'est ton problème, hein. J'ose pas, les gens Si, si, vas-y, vas-y. Tu vas te faire engueuler, mais vas-y, ça va faire de beaux clips. C'est OK. 1 700 000. Ouah. Bonjour Ellie, mon lettre, attends, j'arrive. Sache que Kaku, tu n'as pas réussi à le choper, mais que moi, tu m'auras en 2 jours ouvrés. Tu veux bien sortir avec moi, STP? Ah non, on n'a pas le choix en fait, c'est oui ou smash, coche STP, cœur. J'espère qu'elle va dire oui. Hein. Distrais-la parce que ça va trop vite là. Je sais pas, trouve un truc, t'es un elfe. Attendez, vous voulez voir un truc très drôle? Ouais. Cette personne m'a demandé de faire le pigeon. Tu sais que je sais très bien faire le pigeon. Ah ouais, regarde. Il est bien mon pigeon, hein. Tu connais ça? Ah oui, d'accord. Elle a sa technique. Elle a pas vu. Si, j'ai vu, mais je vais pas le chercher. Je me suis fait un portable. De quoi? Allô, ça va quoi? C'est incroyable. Voilà. Merci Ayayat pour les 500 balles. Je crois qu'elle a dit smash. Pardon. Merci Pierre. Attends, je viens me poser. Merci Malade pour les 300 balles. Je me suis dit la meilleure chose à faire, c'est que tu repasses le pigeon et que tu lui donnes ça pour ses cheveux et tu lui dis que son admiratrice secrète est timide, mais que comme elle adore Ponce, elle dit que c'est la plus jolie fleur, donc elle lui offre une fleur. Je fais ça alors. Super. Il y a un message de ton admiratrice secrète. Elle a dit c'est le signe que je veux te déflorer. Let's go. Comment ça, elle a déformé mes propos? Oh non, elle a dit quoi? À plus tard. Merci. Comment ça, je l'ai déflorée? T'as dit que je l'avais la déflorée? Ça va pas, non? Qui a dit ça? T'aurais dû. Enfin bref, du coup, je parle pas comme ça, wesh. Qu'est-ce que tu dirais à la Ortie d'il y a un an? Mais du coup, je m'adresse pas à elle, je m'adresse encore à celle d'après. En vrai, tu pourrais dire, qu'est-ce que tu dirais à cette Ortie-là? Bah rien, continue. Juste continue. Keep going, hein. S'il faut faire pleurer dans les chaumières, je dirais apprends à te laisser un peu d'espace et de temps. En vrai, juste, je dirais hey, tu veux pas faire un truc pour tes cheveux, s'il te plaît? C'est tout. Moi, je dirais t'es pas prête. Tu penses que t'es prête, mais t'es pas prête. Oh, tout le monde va dire accroche-toi. Non. C'est moi ou t'as fait genre la même blague que... Oh là là. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Top, c'est parti. Ils n'arrivent pas à le pousser. Pour l'instant, c'est légèrement du côté de la Team Jill. Oh, ça se pousse! Il faut pas toucher le verre, hein, je le rappelle. C'est pour l'instant, ça se pousse le verre! Oh là 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 là, let's go! Moi, je sais que j'ai dit un truc du style, tu vas être apprécié pour ce que tu fais, mais j'ai aussi dit un truc genre, ça va être un peu la merde. Genre, tout ce que t'avais prévu qu'allait se passer, ça va clairement pas se passer comme ça. Parce que moi... Ouais! Top, c'est parti! Oh là, c'est très chaud, les deux équipes ont une stratégie. Oh, attention à Boma. Oh, 1-0 pour la Team Violette. Par exemple, j'en discutais avec Bagheera, là. Toutes les deux, on a vraiment le sentiment que cette année, il va se passer plein de choses.
Je vais chercher les lasagnes, j'arrive. Oh non, mais c'est trop là. Bon, on est des sorcières, hein. Elle en a débranché ma light. C'est une sculpture d'art moderne. Chacun y voit ce qu'il veut. Et qu'est-ce que vous y voyez, vous ? Une grande âme, une grande personne finalement, une très grande personne. Beaucoup de fonctionnalités. C'est notamment, quand même un déchet qui est scotché, ça, quand même. Pardon ? C'est un gobelet écrasé, ça, quand même, qui est scotché. Non, pas du tout. C'est un récipient. D'accord. Pour pouvoir accueillir un maximum de savoir, de connaissances, de culture, par D'accord. exemple. Très bien. C'est super. Bravo. Merci beaucoup. Top. Merci beaucoup, en tout cas, à Merci. Vous pour cette prestation. J'ai pris un verre avec Magla et OP et Bagheera. Et je me souviens que ce soir-là, j'étais genre c'est quoi ma vie en fait ? C'est quoi ma... On se la pose encore tous les jours. Bon. C'est quoi notre vie ? Le dernier soir de la Zilan, donc on avait pris une baraque avec les filles pour profiter et tout. On avait tout le Twitch game dans notre baraque qui tapait des bombes dans la piscine. Oh, j'ai cru que t'allais dire une dinguerie. Qui tapait des grands rails de C. Qui tapait des SDF. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Je viens de voir Alain Chabat au MG. Il y a Alain Chabat. Oh my god. Merci, pas le dealer, mais le mec avec ses pochons de stickers. On m'a offert des stickers tout à l'heure. Et le mec m'a juste donné un pochon et j'ai cru qu'il allait me donner de la drogue. Donc j'étais vachement déçue, bien évidemment. Les 30 000 balles, bravo! Vous êtes des giga ouf, mais ça n'est pas assez. Je vous demande plus, bien évidemment. C'est parti pour les dons et les raids! Toutes les économies de votre année que vous avez mis de côté, on s'en fout, c'était pour quoi? C'était pour les pattes de mamie! Mais non, mais mamie, elle va voir la suite de l'environnement, de tout ça! Je crois pas, non! Je crois. Ah! On s'en fout de l'EHPAD! Donnez de la thune! Donnez de la thune! Ah! Merci Ramona pour les 10 ans, merci Vive l'écologie pour l'euro, merci Nouline pour les 3 euros! On va les passer! On va les passer! La thune! Félicitations pour les 2 millions d'euros! Je continue les dents! Merci JB pour les 100 balles! Merci Mio 6 pour l'euro! Merci, ça marche pas pour Céline 10 euros! Merci le beau cheveu d'ortie pour l'euro! Merci Dame Dame pour l'euro! Merci Cimer pour l'euro! Merci Mélodo pour les 25 balles! Merci la question à Jacques Chirac pour les 10 euros! Ken Jennings a le record du plus grand nombre de participations à des jeux télévisés. Combien d'argent a-t-il gagné en tout ? Affirmation C, 3 millions d'euros comme le troisième Zeven. Affirmation D, 10,50€ comme le Zeven de cette année. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'être ensemble. Troisième réponse ? C'est la bonne réponse, bravo. Mais oui, bravo. Mais je le sais, en fait, 3 millions d'euros. Qui est cette personne ? C'est incroyable. Je vous propose, mesdames et messieurs, qu'on check ce que vous avez envoyé sur Discord pour essayer de me faire rire. Oh, les mouvements de danse ! Oh, elle a failli m'avoir. Mais pardon, mais l'ensemenie, je peux pas. Il y a des gens, parce qu'ils ont des bon. Important pour eux, c'est le signe astro, et pour étoile, c'est humaine par smash. Mais il a raison. Ta personnalité avec le signe astro, en vrai. Non. Ah si, Florent. Vraiment, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Ça va être aussi une belle question, puisque c'est une question qui concerne un peu un streamer qui fait le The Event. Quel personnage de dessin animé que l'on entend presque exclusivement marmonner est régulièrement tué au fil de la série dans lequel il apparaît? Et ce n'est pas Bagheera et Horty? Taz! Non, c'est Kenny! Oh non, c'est terrible! On peut partir, s'il vous plaît, Bagheera Jones. Bagheera Jones. Bagheera Jones. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que j'ai écouté que le début, et en fait j'ai pensé à Taz parce qu'on a fait des blagues sur quelque chose avec Taz que je peux pas dire ici parce que quand même c'est familial. Et du coup je me suis arrêtée à ça en me disant ça va être super de parler de Taz maintenant. Mais non. Oh, le regard, c'est un échec. Tant pis. Oh non Alain, tu peux pas être déçu comme ça. Non, Alain, fait de la peine de vous voir comme ça. Of natural snow, conditions are fantastic right now. We're expecting some pretty cold temps over the next few days. Our team is ready to fire up those snow. Non mais là, je peux pas, là, j'en peux pas. Elle est de cette pauvre femme. Features and don't forget our snow tubing park is open en as plus, well. Ils sont pas. Jusqu'au bout, une lutte. Comment a failli s'appeler Uranus? Est-ce que c'est Urtrudbal, X32P, Terre 2 ou Georges? Zerator. Allez, on dit ça. Ouais.
Ce n'est pas la bonne réponse. Okay. Je ne savais pas. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule ? Salope ! Ah oh ouais, non ! Tu peux pas te parier ! Oh, c'est là, c'est là. Je veux la voir, je veux la voir. Salope ! C'est insoutenable ! C'est pas possible ! C'est pas possible de te dire dans ces conditions. On est d'accord, on est très d'accord. Que signifie le mot bitoku en japonais ? Est-ce que ça veut dire aubergine, rituel, vertu ou constipé ? Ce serait drôle que ce soit vertu. Bah, vu que c'est rigolo, la vertu, on dit ça ? La vertu ? Allez, c'est drôle. C'est une bonne réponse. Oh, ouais. Ouais. Toujours l'humour. Il faut toujours choisir l'humour dans la vie. Non, mais... non, mais là, c'est trop... Là, tu me vises. Non, mais là, je suis... Attends, mais là, c'est terrible, là, je suis conditionnée. Là, je suis conditionnée à rire, mais attends, c'est fini. Bah oui, c'est le principe. Attends, je respire un peu. Ah, là, c'est des gamins. Attends. Ok. Moi, les... En fait, ça va pas être possible si on fait toutes les deux. Dans le dictionnaire, entre l'ami et l'amoureux, qui perd la mémoire ? L'amnésique ? Oh, c'est magnifique. 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 C'est magnifique. C'est bah magnifique. Oui, bravo, et notre bravo. Première équipe qualifiée, c'est Baguera et Orti. Bravo. Magnifique. Chapeau. Bravo. C'est bravo. Les trois télé-quiz des champions. Ils sont dans l'émission. Coucou. Pour l'instant, ouais. Sont dans l'émission. Ça va ou quoi ? Mais vous pouvez prendre tout le reste. Ouais, ouais, ouais. Ils sont dans l'émission. Pour l'instant, ils sont dans l'émission. Ouais, ouais, ouais. Antoine et vous ne pouvez pas. Les deux équipes qualifiables. Mais vous pouvez prendre tout le reste. On a déjà. On a ah putain, je croyais que c'est quelqu'un qui me suivait, mais c'était moi dans le retour. C'est un pont de corps. Ah, non, mais c'est honteux. Il y a quelqu'un qui vient de passer derrière moi, j'ai cru que c'était moi. J'ai regardé le retour et j'ai cru que j'étais moi derrière en train de passer derrière moi. C'était un peu bizarre. Bon, entre nous, le tchat, ça ressemble pas du tout à un hortensia, là. On dirait une patate violette. Non, mais vous pouvez le dire. Arrêtez. Vous êtes trop... Mais moi, mon tchat, il est pas sympa comme ça, hein. En fait, je pense qu'ils sont habitués. Ah, voilà, c'est immonde. Ça, je connais, ça. Ça vient de moi, ça. Voilà. Ils sont habitués à moi, ou vraiment, moi, mes dessins, genre, j'ai réussi ma fleur, là. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. À plus tard, bisous Orti, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Orti évidemment sur sa chaîne, elle est en live bah, tout le week-end, c'est son premier The Event et elle est trop cool. Et mesdames et messieurs, la taille de Slash Play vient d'augmenter à sa taille définitive. Vous me faites la gueule ? Vous valez mieux que ça. So you think you can stop me and spin in my eye. So you think you can love me and leave me tonight. C'est pas très drôle, non ? C'est pas très drôle. Mais non, mais parce qu'il y a un délai de ouf. Je t'ai coupé, pardon. Non, bah non. Attends, mais sinon, on peut chanter ensemble, là, en canon. Et me marier sur un orange. Mais je connais pas cette chanson-là. Et me marier sur un orange. Je connais pas. Ouais, non, je suis pas chaud. Ouais, ça... Ouais, ouais hein ? Ouais. Viens danser ! Viens danser ! Viens danser ! La fin de mon deuxième jour. Je vous retrouve demain. Bisous à tous.